Mesdames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes dans votre émission préférée, Fafa, la locomotive de l'émission de Buzz en Côte d'Ivoire. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende, accompagné de la charmante et la célébrissime Yumi, la muse. Bien le bonjour, vous allez bien, tu vas bien Defalé? Ça va super bien, belle coiffure Yumi. Hein. Merci. Ça va, ok, je pense que... Mais toi, t'es toujours aussi élégant. Hein. Oh, on essaie de faire ce qu'on peut avec le temps et tout ça, mais bon, on se maintient, hein, voilà. Alors, c'est chic, c'est choc. Alors, dames et messieurs, nous sommes à l'orée des années 2002. La Côte d'Ivoire connaît une crise post-électorale. À cette période, les Ivoiriens crispés et l'envie de donner aux gens de bouger, d'oublier un tant soit peu la situation fait naître le mouvement Coupé-Décalé. À sa floraison, venu de Paris, à l'époque, à Abidjan, des pôles d'attraction, des pôles d'amusement se mettent en place. Et dans ces lieux, on découvre des nouveaux DJ, des DJ à Talakou, des DJ qui donnent la joie, des DJ qui mettent l'ambiance, et parmi eux, notre invité en fait partie, car il était là au commencement, l'un des fers de lance au niveau des DJ dans le mouvement Coupé-Décalé. Après, la fibre artistique commence à rentrer en scène, des artistes rentrent en scène, et l'invité encore, il est toujours dans les studios, en train de donner de la force, en train de faire des featuring. Même moi, Serge Defalé, mon premier titre, Bekan, il y a participé, il y a donné aussi de son savoir-faire, je dirais musical, car il est pétri de talent, et il est multidimensionnel en termes de voix et de musique et de style. Pour moi, il est, je dirais, je ne peux pas le qualifier parce qu'il part dans tous les sens, dans le niveau et la hauteur de son talent. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de le présenter parce que c'est un petit frère de cœur. C'est quelqu'un que j'adore beaucoup, j'estime par sa musique, par son talent. On reçoit aujourd'hui DJ Mix Premier. Waouh, DJ Mix Premier. Yeah. Tu sais, tu connais, hein, ça bouge pas, voilà, on part, ouais, ça bouge pas. Alors moi, avant d'être introduit, j'ai envie d'entendre quelque chose comme ton morceau Éternel, oh. Voici ça. Éternel, oh, yeah, voici ce qu'on me fait, oh. Je suis prêt pour mes amis, ils sont pas prêts pour moi. J'ai des problèmes, je regarde le ciel. Plus j'évolue, j'ai beaucoup d'ennemis. Hey, je regarde le ciel. Non, 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 je regarde le ciel. Hey. Ah non, DJ Mix. Waouh, waouh. Alors Yumi, hein? Oui. C'est toujours un plaisir d'entendre sa voix, son timbre vocal. Mm-hmm. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment il entretient déjà cette voix depuis toutes ces années. Comment il l'entretient? Je pense que c'est le travail. En travaillant, je travaille pratiquement tous les jours. Mm-hmm. Pratiquement tous les jours. Et je me repose aussi beaucoup. Mais Mix, à l'époque aussi, je me rappelle, avec ton binôme Elo, vous allez dans la forêt pour aller crier. Hey, comment tu te souviens? Partez effrayer les animaux. Oui, il partait dans la forêt crier. Parce que, tu sais, Yumi, la première fois que je suis arrivé au Mille Maquis, je suis arrivé de Paris dans les années 2001, voilà. Je suis assis et j'entends un gars dans la cabine là-bas qui chante. Et puis sa voix retentit. Donc j'ai dit, mais oula, c'est qui le gars qui chante en haut là-bas? Donc j'ai dit, mon gars, les gars, appelez le gars. Et je vois Mix qui descend. J'ai dit, waouh, mon frère, tu chantais tout le matin. Et franchement, c'est un moment, c'est une petite anecdote. Quoi, voilà. Alors Mix, comment tu entretiens au niveau de la voix? Comme je l'ai dit, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Tu as arrêté de crier dans la forêt? Non, je ne criais pas dans la forêt. Mais il faut dire aussi que quand j'étais là, c'était même pas quand j'étais dans les maquis, mais quand j'étais en chorale, encore un peu plus jeune, chaque soir on était, parce qu'on était à Port-Boué, on nous disait se mettre devant la mer et puis essayer de dégager la voix. Dégager, ça aidait beaucoup, mais ça c'était avant. Mais aujourd'hui, je me repose beaucoup. D'accord. Voilà, je me repose beaucoup et puis je travaille beaucoup aussi. Voilà. À force de travailler, je pense que. Au fur et à mesure, les trucs s'améliorent. Et puis, c'est un don aussi de Dieu. Voilà. Okay. Mais comment tu fais tes premiers pas, aujourd'hui, tes premiers pas? Au premier pas dans la musique, d'abord, je dirais, dans la chorale. Parce que je suis issu d'une famille chrétienne. Et maman, mes soeurs, tout le monde était dans la chorale.
Et okay. C'est à partir de là que ça a commencé. D'accord. Ensuite, je me suis retrouvé dans le maquis, le restaurant de ma mère, que j'ai transformé en griffe, moi, en maquis. Okay. Parce que c'était un restaurant, tu vois. D'accord. Et les week-ends... Il s'est trouvé où? À Port-Boué aussi. À Port-Boué. Okay. Allez, donc ça s'appelle Jean Folie. Jean voilà. Folie. Jean Folie. Sur la route de Bassam. De Bassam. D'accord. Voilà. Et c'était un restaurant que j'ai transformé en maquis, les week-ends, tu vois. Okay. Il y avait un disjockey qui venait, je voyais le gars, il avait des fiches, mm-hmm. il mangeait les appareils, voilà. Il s'appelle Didier Cerveau, voilà. Wow. Je lui fais un big up au passage. Okay. C'est grâce à ce monsieur-là que je suis devenu disjockey. En le voyant, franchement, ça Il a nourri la passion, quoi. Voilà, et donc je me suis dit, mais attends, lui, là, comment lui faire? Il faut que je sois comme lui, tu vois. J'aimais son style, il avait un style un peu hip-hop. Et quand il venait, il branchait ses appareils, il jouait, donc je me suis collé à lui. Je l'aidais à faire entrer les appareils dans le maquis de le restaurant de maman. Okay. Quand il faisait les animations, j'étais à côté. Ensuite, c'est moi maintenant qui partais récupérer les appareils. Okay. Lui, ça lui laissait le temps de se reposer. D'accord. Moi, je prenais les vendredis soirs. Quand je quittais l'école, je branchais. Et puis, au fur et à mesure, je me suis perfectionné. Et puis voilà. Après, moi, j'ai commencé à faire l'animation là-bas. D'accord. Alors, mais après ça, comment tu te retrouves au Mille Maquis? Oui, c'est de fil en aiguille. Hein. Quand maman a su que j'ai commencé à faire les animations dans son restaurant. Dans son restaurant, elle a pété un câble, elle a dit non, faut qu'il parte à l'école. Comment se fait-il que il veut se jouer les DJ, les trucs comme ça. Donc après, le maquis a été fermé. Quand le maquis a été fermé, moi je me suis retrouvé dans d'autres maquis. Tu vois, à peine même je voulais aller à l'école. Après, j'ai appelé les parents, j'ai dit voilà, moi je vais faire de la musique, je vais être DJ et tout ça. Maman dit quoi DJ? Dans la maison de qui? Toi, tu as dit tu devais être docteur. Oui. Et tout ça, tu vois. Bon, bref. Et moi, j'ai pas compris aussi ce que les parents voulaient parce que moi, je voulais un truc. J'étais. Comment on dit? J'avais déjà un objectif. Voilà, mon objectif c'était ça, que la musique, rien que la musique. Et maman aussi, elle avait peur parce que c'était dans la nuit. Oui. J'imagine un jeune de 14-15 ans. Et à l'époque, les accordéatistes, même la mouchée, c'était pas trop. Voilà. Et puis la nuit, en plus, j'imagine le décalage d'une chorale à l'église, dans maquis, la nuit. Donc maman a pété un câble, moi j'ai disparu de la maison, c'est comme ça que j'ai quitté. Ah ouais, carrément. Parce que j'avais l'amour, on voulait pas me laisser faire mon truc, moi je voulais faire ça. D'accord. Et elle avait peur parce qu'elle s'est dit que j'allais m'adonner à la drogue, les trucs comme ouais, ça. Même moi, les vices. Je savais ce que je voulais, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvé dans un autre maquis, un peu de fil en aiguille. Après, c'est une longue histoire. Si je vais expliquer, ça va finir. Ouais, oui, non, c'est et comme ça, je me suis retrouvé après à la cour des grands. Alors, voilà. D'autres artistes, je dirais, tirent l'inspiration, par exemple, de la drogue ou bien d'autres, de l'alcool. Toi, tu te drogues pas souvent aussi, ça t'arrive pas? Non, moi, je me dis, on ne tire pas l'inspiration de quelque chose, forcément. D'accord. C'est dans la tête que ça se passe. Même hier, je pense que j'en parlais avec des artistes au studio chez moi, je leur disais, si tu dis que tu trouves ton inspiration dans l'alcool, c'est-à-dire quand tu arrives au studio, il te faut boire un peu avant de commencer à chanter. Mm-hmm. En fait, c'est quelque chose que tu nourris dans ton cerveau. Donc, du coup, quand tu prends l'alcool, tu as l'impression que c'est l'alcool qui te donne l'inspiration. Ouais. Pour autant, ce n'est pas l'alcool. Okay. Tu vois? Okay. D'autres se disent que c'est la drogue. Donc, je dis que si, tic et tic, ça lui donne l'inspiration et tout ça. Mm-hmm. Et puis, son cerveau nourrit ça. Il lui faut un peu de drogue pour pouvoir. Pourtant, en réalité, c'est pas ça. D'autres aussi ont besoin de boire un peu pour monter sur scène. D'accord. Il se dit qu'il faut l'inspiration s'il boit. Que ça va le et dès qu'il boit un peu, il est chaud en même temps sur la scène. Pourtant, c'est son cerveau qui fait ça. Mais si tu te dis que tu veux pas dépendre de quelque chose, que tu veux rester naturellement naturel, tu le feras. Moi, je n'ai pas besoin de quelque chose pour aller sur scène, pour chanter, pour quoi que ce soit. D'accord. Ni d'alcool, ni de boisson, ni de cigarettes, ni de drogue. Mmh. Et puis, ça se passe bien. Voilà. Ouais, super. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Christina DJ et Madrou Brice? Surtout Christina DJ, avec qui tu as vécu une idylle assez romantique, tahitienne. Ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles de Christina. Ça fait des années que je n'ai pas de nouvelles. Ton mec, ça passe de nouvelles pour moi. Mais elle dit que c'était le big love. Oui, en plus. Non, mais je l'avoue, on était ensemble. J'étais avec Christina. Pourquoi mentir? J'étais avec elle. Quand j'étais à Port-Boué, où je te parlais du maquis, quand j'ai laissé les parents, d'accord, je me suis retrouvé dans un maquis. C'est là-bas que j'ai connu Christina. Ouais, voilà, d'accord. Elle n'était pas disjockey, c'était une fille normale comme tout le monde. Ah, elle a tellement aimé qu'elle est devenue un groupe décalé. On a eu une relation normale, tout était bien, voilà. Et à cette époque, elle n'était pas encore disjockey. Non, elle avait. C'est ça qui respirait, puis elle rentrait dans le groupe. Elle ne connaissait rien de la musique. Ah, d'accord. Voilà. Dans notre petite galère, là, elle venait nous voir, nous, on était un petit DJ. Voilà. Aujourd'hui, dans le grand succès, elle s'est vue l'être larguée. Ah non, ça n'a rien à voir avec le grand succès. Avant le succès, on s'était déjà laissé, la relation était terminée.
Et après, elle lui a dit après, avec Emma que... Dobré. Non, après, elle, elle a sorti, des années plus tard, elle a sorti son tube, je crois, un tube de Drogba, qui a bien marché. Bien sûr. On n'était plus ensemble en ce moment, c'était... D'accord. Et l'histoire avec Emma Dobré? Quelle histoire? Votre idylle avec Emma Dobré? Deal. L'idylle. Ah, ok, j'ai cru entendre. Votre petit moment cocooning caché, regardé. Pourquoi caché? On est pieds un peu. Il n'y a rien eu de caché, il y a eu une relation, la relation s'est terminée, normal, comme toute relation. Donc, comme toi aussi, avec toi aussi, elle a tout récupéré quand vous êtes laissé ou bien elle t'a laissé. Récupéré comment? Parce qu'elle, quand elle soit avec quelqu'un, quand ça finit, elle récupère. Donc, ce n'est pas des choses qu'elle a dû t'offrir, qu'elle a dû récupérer. Non, elle ne m'a rien donné qu'elle a récupéré. Ah non, du tout. Aucune voiture. C'était une relation normale qui s'est terminée normalement, comme toute relation qui se termine. Malheureusement. Si en tout cas, on veut compter. Ah, tu as combien de comme ça à ton actif, on peut compter dans le milieu du showbiz? Combien de filles avec qui connues comme ça que c'est que les deux dont vous avez entendu parler, c'est tout. D'accord. Voilà. Mais dans ton clip là, ma foi, là, la jolie voiture rouge avec les traits noirs là, la go qui tu sentais qui t'a donné là, elle aussi, comment ça s'est terminé? Qui m'a donné une voiture? Ouais, dans ton clip, ma foi, la voiture noire avec des barres rouges dessus sur laquelle tu as assis pendant que tu chantes. C'était la voiture de comment il s'appelle? Un vieux pays qui se trouve aux États-Unis. C'était pas une métisse, je pense une Libanaise. Non. C'était la voiture d'un vieux père. Comment il s'appelle? Raïm. Tu connais? Voilà, c'est Raïm. Je connais bien. C'était le véhicule de Raïm. Mais c'est pas un véhicule de Ngo. Hein. Comme je le dis, c'était le véhicule de Raïm. Et des enfants déjà, Amix? Des enfants, si j'ai des enfants. Oui, si tu as. Oui, j'ai des enfants. Oui, combien? Non, ça va, je ne vais pas donner le nombre d'enfants ici. Moi, si on me pose la question tout de suite, ça, c'est toi. Ça, c'est toi. On ne t'a pas dit de demander les noms. Attends, tout doucement. On te demande le nom. Calme-toi. Mais je suis calme. Voilà, tu as demandé si j'avais des enfants. Oui. Je t'ai répondu que oui, j'avais des enfants. Oui. Le nombre, ce n'est pas important pour moi. Voilà, j'ai des enfants. Et mes enfants sont en contact avec moi. Tout se passe très bien, je m'en occupe très bien. On n'en doute pas, vu comment tu es fringant aujourd'hui. Habituellement, on te voit en constat bien apprêté. Ouais, mais là, ton jogging, tu es venu faire parler ben ici. Je comprends pas. T'as prêté pour monter sur le ring. Depuis la première, en fait, je voulais parler, ça, je comprends pas. Non, mais je vous ai dit, moi, avec moi, c'est la douceur. Ouais. Voilà. Non, pas non, non, pas non. De, mais tu es venu en jogging, on dirait que tu es venu. Parce que habituellement, c'est en costume. Je me suis habillé selon le temps. Ah, t'as vu qu'il y a la pluie, il y a une forte pluie. Voilà, donc. Et le choix de cette couleur, c'est pourquoi c'est pas porté quoi, une certaine fraîcheur. Oui, quand même. Hein. Après, je ne sais pas si tu penses que ça apporte la fraîcheur ou pas. Non, moi, je me suis habillé selon le temps. Il est venu à la paix, il ne faut pas que tu aies la paix. Il y avait beaucoup de pluie et tout ça. Donc, voilà. Dans un temps, on parlait de ton micro magique. Il paraîtrait que quand tu partais dans les événements, quand tu prends le micro qui a su place que la logistique que tu as mis, quand tu chantes, les gens ne s'élèvent pas. Mais il y a ton micro avec lequel tu te déplaces toujours. Quand tu chantes dedans, tout le monde a hypnotisé, c'est passé dedans, mais c'est dedans le paradis se trouve. Ah ouais, ça c'est une information que j'ai pas. Ah oui. J'ai jamais eu tu de micro à avec moi. Ce micro là. Non, j'ai jamais eu de micro à moi personnellement. Toujours, tu peux te renseigner partout où je suis allé, j'ai toujours utilisé les micros qui étaient dans, que ce soit les cabines, que ce soit les grands podiums, que ce soit dans les grands événements, je suis jamais arrivé avec un micro. Voilà. Donc il y a ce qui peut-être se dit et puis il y a ce qui est. Et ce qui est. Ouais. D'accord. Alors, DJ Mix, il est fort de constater que depuis le décès de ton ami et frère, Feu DJ Rafat, avec qui vous avez eu beaucoup de collaborations, disons une amitié assez très très rapprochée, le mouvement coupé décalé, je dirais stagne. Voilà, parce que tomber, c'est n'importe quoi. On va dire stagne. Ok, stagne. On sent qu'il n'y a plus de. C'est pas plus élevé que ça. À ton avis, c'est dû à quoi? Ah, je pense que c'est des choses qui arrivent. Hein. Mm-hmm. Voilà, comme la vie d'un homme. Tout n'est pas forcément rose à tout temps. C'est clair. Il y a des moments de baisse et puis après ça remonte. Moi je pense que c'est quelque chose qui est logique. C'est un mauvais vent, après ça va passer. Ça va passer. Les acteurs sont là, je ne sais pas pourquoi tout le monde n'est pas au studio. Mm-hmm. Le talent y est, je ne sais pas pourquoi tout le monde ne sort pas. Peut-être qu'ils ont besoin de la force, comme je le dis. Mm-hmm. Voilà. Et je veux profiter de l'antenne pour pouvoir faire passer un petit message. D'accord. Pour ceux qui disent que le coupé décalé est mort, il n'y a plus rien, c'est mort. Je pense que si vous avez aimé ces artistes-là, aujourd'hui que vous ne voyez pas, essayez de leur donner de la force. C'est clair. Si tu as un artiste, je prends un exemple comme Mix que tu ne vois pas, mais fais des posts, dis, mais Mix, tu es où? On a besoin de toi, sors-nous des chansons, donner de la force, peut-être ça va donner l'engouement, ça va stimuler ces artistes-là à revenir sur la scène parce que les artistes sont confrontés à beaucoup de problèmes. Entrer en studio, c'est de l'argent. Bien sûr. Enregistrer, c'est de l'argent. Faire des clips, c'est de l'argent. Ceux qui vont tourner, c'est de l'argent. La promotion. Faire la promo, c'est de l'argent.
Donc, pour un artiste qui sort peut-être 1, 2, 3, qui n'a pas de succès, c'est difficile pour lui de pouvoir trouver encore les moyens de pouvoir rentrer en studio. Il n'y a pas de crédit en studio. Ah, tu donnes l'argent, tu travailles. Ouais. Même, voilà. Même sur le tournage. Pour réaliser un clip, tu donnes l'argent, tu tournes. Donc, moi, je pense qu'il faudrait plus donner la force à ces artistes qu'on ne voit plus là. D'accord. Et puis, peut-être, ça va les stimuler à revenir. Sinon, ils sont là, tout le monde est là. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses d'un tel projet comme que j'ai initié par, avec ma société Est-ce qu'on sait plus, qui est le coupé décalé en jaillement, où j'ai mis tout, pratiquement tous les artistes de toutes les générations en studio pour ressortir des titres et des tubes chez Max Hero. Bon, certains ne veulent pas y participer. Je sais pas. Toi, Mix, je t'ai vu, tu es venu et tout, tu es prêt à y participer. Qu'est-ce que tu penses d'un tel projet? Mais je pense que c'est une très belle initiative. C'est pourquoi, dès que j'ai reçu l'appel, je me suis rendu là. Oui, ceux qui n'ont pas participé, je ne sais pas pourquoi. Il va falloir peut-être leur demander pourquoi. Est-ce que ils ne sont pas intéressés. Comme ça. Ah, ceux qui ne sont pas intéressés. Donc, peut-être marche avec ceux qui sont intéressés. Je pense que le coupé décalé regorge beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. De talent, ouais. Il y a des milliers d'artistes. Donc, vas-y avec ceux qui sont partants. Mais c'est une très, très belle initiative. Je salue ça. Merci. Et puis, voilà. C'est une occasion de pouvoir se revoir. Moi, je suis parti, j'ai vu Bonanno, j'ai vu DJ Lewis, j'ai vu tous les gars, j'ai vu Max Hero aussi que je n'ai pas vu depuis longtemps. Ouais. Et puis, bon, voilà. Moi, je pense que c'est une très, 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 très belle initiative. Voilà. Pour rejoindre Défalé dans ses propos, tu es un artiste aujourd'hui qu'on peut qualifier et mettre dans la catégorie de légende du coupé décalé. Mm-hmm. Il y a une nouvelle génération, une nouvelle vague qui est arrivée. Oui. Mais on ne t'a pas encore vu, en tout cas pour moi, faire un feat avec eux. Tu traînes plutôt avec les gens de ta génération. Est-ce que je peux savoir? J'ai pas bien saisi la question. Tu fais des feats avec les gens de ta promotion du coupé décalé et pas avec la nouvelle génération. Pourquoi? Ça va venir. Ça a trop duré. Ils ont besoin des légendes comme vous pour les faire avancer, pour les faire mousser. Non, attends. Si on a besoin de moi, qu'on m'appelle, je me rends disponible. Donc, depuis lors, aucun membre de la nouvelle génération appelé. Non, pas encore. Si on m'appelle, solliciter. Si on m'appelle avec plaisir, j'ai un studio d'enregistrement, ça va être avec plaisir qu'on va le faire. Non, côté voilà. Travail, Mix, lui, il aime ça. Et puis encore, même, je profite encore du canal pour les féliciter pour ce qu'ils font, parce qu'ils font un travail assez remarquable. Félicitations à vous. Et puis voilà, beaucoup de force, on est ensemble. Pour toi, qui sont ceux qui se démarquent dans la nouvelle génération? Je ne peux pas te citer des noms de certaines personnes qui se démarquent, mais je pense que c'est un travail de groupe. D'accord. Voilà. Il n'y a pas une personne qui fait que l'autre ou quoi que ce soit. C'est, si tu remarques bien, tu les vois, ils sont beaucoup en groupe. Oui. Voilà. Il y a beaucoup l'union. Et je pense que c'est l'union qui donne le résultat qu'on voit aujourd'hui. Parce que seul, tu peux aller. Mais ensemble, vous pouvez aller très loin. Très loin. Voilà. Mmh. Et j'apprécie ça. Voilà. Quelle particularité, on va dire, Mix, tu as par rapport aux anciens artistes qui ont sorti des tubes récemment qui ne moussent pas. Mais toi, quels que soient les hits, les nouvelles sorties que tu fais, ça cartonne. Mmh. Qu'est-ce qui fait ta force à toi par rapport aux autres? Moi, je pense que y a une mise à jour à faire. Mmh. Certes, on a un coupé décalé qu'on a toujours eu l'habitude de faire. Après, il y a un nouveau style de coupé décalé qui est arrivé. Chacun s'est démarqué. Tu vois, Arafat, il avait son il y a le groupe de Maurice, Serge Défalé, tout ça, qui sont venus avec une couleur de coupé décalé où on faisait les animations. Ensuite, Arafat est venu aussi avec son Roukaskas. Moi, je suis venu avec mon style de message, tu vois, de motivation dans le même style coupé décalé. Oui. C'est-à-dire un coupé décalé chanson. Mmh. Arafat, c'était plus le coupé décalé animation. Tu vois, et aujourd'hui, comme on le dit, au fur et à mesure, les choses changent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de faire une mise à jour. Pour moi, écoutez quand même ce qui marche quand même aujourd'hui. Faut pas se dire, ça là, c'est quoi? Ça, c'est quelle musique, ça? Non, ça vaut rien. Non. Si ça marche, ça veut dire qu'il y a quelque chose forcément d'intéressant dedans. Donc, tu regardes et puis tu essaies de faire une mise à jour par rapport à toi aussi, ta musique. Et c'est ce que moi, j'essaye de faire. Et par la grâce de Dieu, ça marche. Alors maintenant, en parlant de ce qui marche, on va être très pragmatique. Hein. Ouais. En général, ce qui marche, beaucoup prennent des recettes de ce que vous aviez fait dans le temps. Oui. Ils les réactualisent et ça marche. Oui. Et c'est ce qui est actuel. Maintenant, comment aller vers ce qui est actuel pendant que ce qui est actuel cherche à aller vers ce que tu avais déjà fait auparavant? Ouais, je t'explique, c'est voilà, tout simple. Voilà, c'est ça, quand tu regardes, tu vois que la plupart des jeunes d'aujourd'hui s'inspirent beaucoup des anciennes animations. Voilà. Tu vois. Ouais. Mais quand tu regardes, écoute bien leur musique, tu sens pas un peu d'afro là-dedans? Bien sûr. Beaucoup d'afro-pop. Bien sûr. La musique en tant que telle, il y a de l'afro, il y a de l'afro mélangé maintenant le coupé décalé. Donc si nous, on a les animations qu'on faisait avant, qu'est-ce qu'on fait? Pour quelqu'un qui est intelligent,
tu prends un peu de l'afro là aussi qu'ils ont là, tu ramènes ça dans... Pour toi qu'ils prennent, parce que c'est comme si ils ont le style. Mais sans le style, peut-être que ça ne bouge pas comme ils ont besoin de toi, ta petite couleur de coupé décalé. Bon, toi aussi, ta petite couleur de coupé décalé, tu as vu qu'il y a longtemps que tu as ça, mais ça ne bouge pas. Donc, c'est des échanges. Je prends un peu chez lui là-bas, parce qu'il prend un peu chez moi. Mais bien sûr. Donc, en fait, c'est ce qui devrait se passer. Ben voilà, mais le, moi, mon souci, moi, je dirais, moi, je suis très clair avec toi. Moi, j'ai un problème avec ceux qui ont abandonné leur base et qui sont allés directement sur la base de ces jeunes-là. C'est qui ça? Il y en a plusieurs, de votre génération. Donne un exemple. Je ne vais pas citer le nom, je ne vais pas créer de polémique. Mais tu sais de qui plus ou moins je parle, qui abandonne lui ses bases. Bon, moi, je te cite des noms, par exemple. Voilà, je prends un artiste comme Serge Benoît, qui fait du coupé décalé. Il fait du coupé décalé avec des animations normales, comme il a toujours fait. Bien sûr. Aujourd'hui, il rajoute un peu de couleur, un peu léger, un peu d'afro là-dedans, tu vois. Ça marche. Ouais, c'est bon, ça voilà. Marche. Okay. Voilà. Et je vais te prendre qui Ariel Chéné, par exemple, qui a fait une mutation. Moi, je suis d'accord avec lui. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que il a la possibilité de faire cette musique-là. Bon, donc, pourquoi cacher? Ça ne veut pas dire qu'il jette, par exemple, son coupé décalé. Non. Moi, comme ça, souvent, je sors des musiques coupées décalées et puis tu vas me voir un matin, je sors une chanson non, comme toi, souvent même, on dit comme une chanson comme Goumet. Souvent, on dit, toi, on dit, fais voilà. Zouk même. On dit, toi, tu es un zoukeur. Voilà. On, tu vois? On dit les mots. On dit souvent, mix la main, c'est un zoukeur. Voilà. On tu a vois? Reçu aussi l'autre, comment il s'appelle à ton binôme de Bassam. Il dit, toi, tu es bien comme Medjiz maintenant. Ah, ouais, comme tu vois? Il Léo. Bon, Léo. Tu vois. Mais pourtant, le truc, c'est quoi? J'ai la possibilité de pouvoir faire le zouk comme tu le dis, par exemple. Bien sûr. Mais pourquoi bloquer? Voilà. Je suis pas un art, je suis un soldat du coupé décalé. Donc c'est ma base. D'accord, mais quand je vais jamais lâcher ça. Mais quand tu dis pourquoi bloquer, mais et quand le il faut sauver le soldat coupé décalé, c'est pas là que tu vas aller faire zouk. Non. C'est ça aussi le là. Si tu as un si projet, le soldat veut mourir. Attends, j'en viens. Ouais, ok. Faut appeler les choses par le nom. Ouais, ok. Je pense un artiste qui est bien organisé. Tout ce qu'il fait dans l'année, là, depuis le début de l'année, c'est quelque chose qui est déjà programmé. Ok. Donc si le gars il a prévu sortir un album en mars par exemple, pas un album coupé décalé comme Ariel Chéné l'a fait, il a sorti un album mais c'est pas un album coupé décalé. Voilà, c'est quelque chose qui a été prévu. Un album, ça se travaille à l'avance, bien sûr, tu vois, et puis il est signé quelque part. Donc il y a toute une logistique derrière. Ça veut pas dire qu'il abandonne. Moi je vous dis, vous allez voir, forcément Ariel va revenir avec un morceau, deux trois morceaux coupé décalé, parce qu'il a ce truc là. Il a ça. C'est pas qu'il a peur ou quoi que ce soit. Il a ça, moi je sais qu'il a ça. Parce qu'il a travaillé quand même avec Didier Raphat. Il bien a sûr. Tout. Donc, franchement, je pense qu'il voulait montrer quand même ce qu'il a. Voilà. Et quand tu écoutes son album, franchement, c'est pur. Moi, j'adore. Okay. Mais ça ne veut pas dire qu'il a abandonné le coupé décalé. Non, il va venir. D'abord, c'est un très bon arrangeur de coupé décalé. Ouais, déjà à la base. Voilà. Et puis, c'est un très bon chanteur du coupé décalé. Donc, forcément, les soldats sont là. Ils vont sortir. Okay. Comme j'ai dit là, moi, je demande juste à la population de donner la force. Aux artistes, vous allez voir, ils vont sortir de nulle part, ça va commencer à venir. Toi, tu as fait le projet, tu vois que les artistes sont en train de venir ou pas? Oui, ils sont en train de venir. Mais pourquoi ils viennent? Parce que ils ont senti en toi quelqu'un qui leur donne encore une lueur d'espoir pour revenir sur la scène. La scène. Donc, automatiquement, ils adhèrent, ils viennent. Ouais. Donc, je pense que c'est ce que la population devrait faire. Donner de la force aux artistes, donnez-leur de la force. Si vous avez un artiste que vous ne voyez pas, ou bien vous pensez que le coupé décalé est tombé, ce que vous aimez là, taguez-les. Ouais. Faites des posts. On veut te voir revenir sur la scène. Tu nous manques. Ils ont des clips qui sont déjà disponibles, qui sont sur YouTube. Mettez les clips, taguez-les. Demandez aux gens de les taguer. On a besoin d'eux. Tu vois, ça va donner la force. Et puis ils vont revenir. Voilà. Je suis d'accord. C'est mon avis. Hein. Ouais, je suis d'accord. C'est parce qu'on ne t'appelle pas assez que tu prends du temps à faire sortir de nouveaux tubes. Qui ça, moi? Ouais. Je prends pas du temps. Ça dure quand même. Ça dure combien de temps? Ça dure. Attends, je vais te prendre pas tes mots. Ma dernière chanson, elle est sortie quand? Pas longtemps, là. Comment il n'y a pas longtemps? Si tu dis je prends du temps, tu dois savoir. Un mois à peu près. Non. Ma chanson, elle est sortie il y a à peine 10 jours. Une semaine avant celle-là. Oui. Avant celle-là, j'ai sorti, tu me connais? En décembre. Mais c'est trop long. Je t'explique. Généralement, je sors toujours chaque 3 mois. Cette fois-ci, j'ai mis du temps parce que j'étais sur un projet. J'étais en train de faire un lounge, un restaurant. Ok. Voilà, parce qu'au-delà de la musique, faut faire des choses. Donc, j'ai sorti la chanson. J'étais en France quand j'ai sorti la chanson. Et quand je suis venu, j'ai commencé les travaux de mon coin. J'ai mis beaucoup d'argent. Donc, il fallait que je reste jusqu'à la fin pour pouvoir donner vie à ce projet-là. C'est ce qui a fait que cette fois-ci, j'ai fait 6 mois au lieu de 3 mois. Ok. Alors, toi, ton binôme. De donner des cours de chant aux personnes qui te sollicitent, par exemple. Oui, ça m'arrive de faire des directions.
Ouais, sur des chansons. Ouais, souvent. Il y a des gens qui viennent au studio. Mais ça mixe, ça, oui. c'est pas. Ça, je fais non. ça il y a longtemps. Ça, ouais. ça même, c'est. Il y a longtemps. Vieux. Mais des coups de chant, ouais. non. Je ne fais pas de coups, je ne donne pas de coups. Non, direction artistique, ça. Mais je fais beaucoup la direction artistique. Beaucoup, beaucoup. Tu communiques beaucoup avec tes fans? Oui, bien sûr. Tu fais des lives, tout ça? Non, je ne fais pas de lives. Non, c'est même Ronaldo. Moi, je ne suis pas un gars de live. On a un groupe privé sur lequel on se parle et puis voilà. Mais toi, tu n'es pas dans Mettez le cœur. Pourquoi tu ne fais pas ça? Il faut faire Mettez le cœur. Le direct attaqué. Mettez le cœur. Le direct mix, il ne fait pas le Mettez le cœur. Il faut faire Mettez le cœur aussi. Non, moi, je ne fais pas de direct. Je fais des directs quand c'est vraiment, vraiment important. Peut-être à la sortie d'un album ou à la sortie d'un single, je fais des directs pour allaiter tout le monde, pour dire voilà, j'arrive en sortant. Mais avec mes fans, on a un groupe, comme je te l'ai dit là, un groupe privé. Si tu veux nous rejoindre aussi, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle La Meute. Ouais, ça s'appelle La Meute. La Meute. Ouais. Alors, voilà. Mix, est-ce que tu as toujours des nouvelles de ton binôme DJ Elo? Oui, c'est ses nouvelles. Elo, il se porte bien. Mais on l'entend plus. Sur la scène, on ne le voit plus. On n'a plus de ses nouvelles. Il est en France, oui, on le sait. Oui. Et constamment, tu arrives à avoir de ses nouvelles. Oui, on se parle sur WhatsApp. Quand je vais en France, on se voit par un moment. Il a sorti un projet il n'y a même pas longtemps. Ok. Oui, il n'y a même pas longtemps, on a sorti un projet ensemble. Ensemble, oui. Okay. Je ne sais pas si tu avais vu des vidéos, on avait fait des vidéos ensemble. Oui, j'ai vu un moment où vous avez vu l'année passée. Après, on a travaillé en studio, on a sorti le projet. Okay. Et il a sorti un autre projet, là, et je pense qu'il y a quelques mois en tout cas. D'accord. Voilà. Il est en train de se préparer. Se prépare, voilà. Ok. Parce que c'était un beau duo, franchement. Cas de Bordeaux qu'il y a en ce moment, concernant sa carrière, qu'est-ce que tu penses avec la dernière sortie qu'il y a en ce moment, avec son ex-compagne, on parle de maraboutage, on a fait des 13 marabouts, qui a passé qui, pourquoi? Tu penses quoi un peu de tout ça, de Bordeaux, ce qui se passe dans sa vie actuellement? Bon, je ne peux pas véritablement me prononcer sur sa vie parce que je ne suis pas totalement informé d'abord de ce qui se passe dans la vie de Desbordeaux. Moi, je vois Desbordeaux, l'artiste, le talentueux que je connais. On a besoin de lui. Il va revenir sur scène avec sûrement un album, comme il lui dit. Ouais. Et puis bon, voilà. Mais sa vie personnelle, je n'ai pas plus d'informations. Donc, je ne pourrais pas te dire... Tu as déjà faire recours au fétichisme pour vouloir te passer, je ne sais pas. J'en sais rien, je ne pense pas. Tu n'as jamais oublié. Non. Mais tu as découvert qu'une beau avait mis ton nom, mis ta photo d'un canari. Ah non, 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 du tout, du tout. Mais est-ce que si ça se fait, tu seras au courant? Je sais pas, moi je crois en Dieu, je prie Dieu, et puis voilà, le reste, tout ça, moi ça m'intéresse pas. Si t'es allé faire quoi que ce soit, mais moi j'ai... t'as jamais eu recours à ça. Moi, je sais pas, non, moi je prie Dieu, je suis un croyant, mon frère. Il y avait pas mal d'artistes, c'était quoi? À fond dans le fétichisme, pour pouvoir être le meilleur des meilleurs dans le pays. Bon, attends, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je t'ai dit, je suis issu d'une famille chrétienne, depuis la base. Ça, quoi. Non, j'en viens, moi je parle pour les gens, moi je parle de moi, voilà. Mm-hmm. Ma mère, elle s'appelle Maman Eugénie. Mon père, il s'appelle Nestor. Voilà, coucou. J'ai grandi, je suis né dans une famille chrétienne. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, je vais à l'église, je prie Dieu. J'ai toute ma foi en Dieu. Tout ce que j'ai, je l'ai eu par rapport à Dieu. Et puis bon, voilà. Il y a des gens qui disent dans le couloir que ton petit frère, tu veux le garder pour toi, tu ne veux pas le partager avec d'autres artistes. Parce que depuis des années, il danse avec toi. Vous voyagez quasiment ensemble, vous faites tout ensemble, mais il ne doit pas danser d'autres artistes. C'est ce que les couloirs disent. Mais après, je ne sais pas, toi, le bon frère, ce que tu en dis. Le couloir, tu vois, c'est bien quand même. Là, c'est les bruits du couloir. C'est les bruits du couloir parce qu'à la base, ce n'est pas mon petit frère, tu vois. Mmh. C'est un danseur que j'ai pris, qui est avec moi depuis des années, très fidèle et très loyal, que j'aime bien. Et puis aujourd'hui, quand j'entends les gens penser même que c'est mon petit frère, ça me fait plaisir. Ouais, ça veut dire que la fraternité existe, voilà. Il est avec moi, il vit avec moi, on travaille ensemble, tout se passe bien. Et je pense que... Comment le partager? Je ne l'ai jamais empêché. C'est ton meilleur danseur. Ah non, je ne l'ai jamais empêché d'aller danser. Il a fait le clip de Yabongo même, il n'y a pas longtemps. Il m'a dit à Yabongo qu'il l'a invité à aller. Je dis, vas-y. Bah, tous ceux qui travaillent avec moi, que ce soit les danseurs ou les musiciens, tu peux te renseigner. Je n'ai jamais empêché quelqu'un de travailler avec quelqu'un. Mon orchestre a travaillé avec Desbordeaux, a travaillé avec... comment il s'appelle? Autant pour moi, Serge Benoît, il travaille aussi avec beaucoup d'artistes, même Safarel et tout ça. J'ai jamais dit à quelqu'un, non, pourquoi tu travailles tant bien, pourquoi tu travailles tant, non. Voilà. Okay. C'est leur gagne-pain, ils travaillent, ils ont c'est le droit. Clair. Mais Clavier, il est avec moi, il se sent à l'aise avec moi. Donc. Non, et puis non, aujourd'hui, il est devenu comme... Bien aussi. Oui, après, il est devenu... Il y a beaucoup de fraternité entre nous. Ceux qui travaillent avec moi, si tu te renseignes bien, que ce soit du manager jusqu'au dernier danseur, ça fait des années et des années que nous sommes ensemble. Ouais. Voilà. Alors, DJ Mix, tu as plusieurs titres à ton actif, on va dire des titres à succès. Ouais. Quel est le titre qui t'a permis de plus tourner?
Bobaraba, on va dire. Oui, parce que... Oui, parce que c'est Bobaraba qui nous a révélé, Elo et moi. Mmh. Donc, grâce à Bobaraba, on a découvert plein de pays, on a fait le tour de plusieurs pays. Ouais. Et on doit tout à cette chanson-là. Il ouais. paraît même qu'au Burkina, à l'époque, on vidait les salles. Vous les remplissez, vous, oui, oui. vous les chantez, oui, c'est oui, le premier oui, concert. Oui. Mmh. Oui. Tellement il y a du monde, hein? Le premier groupe rentre. Ouais. Vous chantez, eux ils sortent. C'est comme ça. Et puis on remet un autre groupe encore, si, vous les chantez si. Encore. Pendant qu'on est en train de faire le concert, d'accord. La foule qui est là, il y a la même foule dehors. Ils attendent. Ils attendent. On fait le concert normalement, on finit le concert. La première fois quand j'ai vu ça, j'ai failli péter un câble. C'est-à-dire, tu finis ton concert normal, le gars te dit au revoir, tout le monde, tu enlèves ton habit, vous rentrez dans les loges, on dit bon, attendez. Attendez un peu. On fait sortir tous ceux qui sont là. On fait rentrer les nouveaux. Fait rentrer maintenant les nouveaux. Vous reprenez le premier concert. L'animateur vous annonce encore. Encore. Recevez DJ Miss et Hello. Vous reprenez ouais. encore, vous venez encore. Est-ce que ça va? Vous refaites tout le même spectacle encore, tu vois. Mais ça existe jusqu'à aujourd'hui, je pense bien. Ah ouais, ouais. D'accord. Ouais. C'est à Bobo du Lasso, ça se passe. À Bobo du Lasso. Ouais. Ok, mais c'est top. Le concert de Mix, c'est pour quand? On est en train de voir d'ici, normalement, la fin d'année. La fin d'année. Ouais. La fin d'année. Ouais. Ok. Alors, on va dire que Mix aujourd'hui, moi, je peux dire que à un moment, on a vu dans les débuts du rap ivoire, on t'a vu faire des featuring avec Suspect, avec Didi B, avec toute cette équipe là. Mm-hmm. Et on a vu en fait ce mix, parce qu'il y a eu un mélange. Ouais. Il y a eu un exercice de style. Ouais. Et je dirais que quand on contribue aussi à leur montée, tu ouais. vois, parce qu'on ouais. était en place et tout. Alors aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, quand tu entends les mélomanes dire que le rap ivoire au-dessus du coupé décalé et tout, t'as pas un peu de remords de tout ce que tu as fait aussi pour que ça puisse évoluer aussi dans un autre sens aussi? Ah non, moi je suis quelqu'un, je suis pas dans l'émotion. D'accord. Voilà, okay. Moi je suis quelqu'un de très réaliste. Ouais. Voilà. Mm-hmm. Je pense que il fut un temps où le coupé décalé est arrivé, mm-hmm. on disait que la musique Zouglou était morte. Bien sûr. Aujourd'hui, où est le Zouglou? Il est toujours à son niveau. Il est là, il a son niveau. Voilà. Donc, le rap était descendu grâce à ces nouvelles têtes-là, Didi B, Suspect et tous les autres, les Imra et tout ça. Le Akif No Beat, on va dire même que le truc est remonté. On ne peut qu'applaudir. Mais dire que le coupé décalé est tombé ou tout ça, non, je ne pense pas. Il y a des moments comme ça, ça va remonter. Voilà. Il faut juste encourager ceux qui viennent d'arriver, encourager le travail qu'ils font, un travail très remarquable, mais sans jeter la pierre à ceux qui vous ont fait danser. Voilà. En fait, c'est ça. Parce qu'ils sont là et ouais. puis ils vont revenir. Franchement, voilà. ils vont revenir. Voilà. Parce que dans l'optique de vouloir mousser, si tu es détruit pour mousser, tu sais que pour finir aussi, ça va être compliqué. Donc, voilà. Ouais. Donc, non, ils vont revenir. Ils vont revenir. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont aujourd'hui, là. Tu es l'un des jurys dans une émission oui. télévisée de chant. Habituellement, on voit des grosses têtes, des gens qui sont membres de ce jury-là. Ouais. Mais quand on t'a appelé, toi, pour t'informer que. Cette année, tu seras l'un des membres de cette grande émission. Qu'est-ce oui. que cela t'a donné comme émotion, comme sensation? Ça m'a fait plaisir. J'étais très reconnaissant, déjà. J'étais très ému, très content, parce que ça veut dire quand même qu'on reconnaît le travail que tu fais. Fait, ouais. Voilà. Et le premier salaire d'un artiste, c'est ça. Oui. Voilà, la reconnaissance. Voir que ce que tu fais est aimé par certaines personnes. Tu ne peux qu'être fier de toi. Donc, j'ai eu un sentiment de fierté. J'étais très content. Et puis, voilà. Je me disais, à quand ça allait arriver, quand même. Ouais. Et puis, c'est arrivé. Voilà. Mais c'est, en fait, moi, je dirais que je suis d'accord. Moi, je suis fier. Tu sais pourquoi? Parce que y a une particularité que tu as, que j'ai toujours appréciée. À l'époque, quand n'importe qui t'appelle pour un featuring, ou même que tu sais que la personne ne sait pas chanter, tout quoi, tu étais toujours présent. Si. Et ça a marqué un impact et ça a laissé une personnalité qui est très forte pour bien moi, sûr, tu vois. Et ça montre un sens de solidarité. Ouais. Voilà. Ça, il faut le reconnaître. Tu as été très solidaire dans le moment coupé des calibres. Merci beaucoup. Voilà, merci vraiment, il faut le reconnaître. Ouais. Je crois que c'est ce qui apporte tout ce qui vient aujourd'hui. Ouais. Ça va de soi. Donc, et voilà. Jusqu'aujourd'hui, hein, moi, je peux profiter ouais. encore pour lancer un message à tous ces artistes-là. Celui qui a besoin de moi, entrez en contact. Vous avez mes différentes pages. Je suis opérationnel. Ouais. Voilà. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a pas mal de trucs qui ont changé. Il faut avoir quand même un petit niveau quand même de chant. De chant. Voilà. Ouais. Parce que c'est... Tu vas faire un feat avec quelqu'un où la personne ne chante rien même. Tu vois. On a l'impression que le morceau t'appartient à toi.
Ouais. Donc si toi tu veux faire un feat avec Mix, il faudrait que tu aies quand même ton petit toi-même dans la chanson, quoi. Ah, sinon Mix, je reste ouvert. Mais sinon Mix, à l'époque aussi, tu as chanté toutes chansons des gens où ils n'ont pas dit un mot dedans. Hein. Oui, bon. Mais tu vois, c'est pourquoi je dis aujourd'hui les trucs ont changé. Tu vois. Il y en a vu des gars, ils ont arrêté comme ça, mais tu as tout voilà. chanté. Aujourd'hui quand même, donnons quand même de la force à ceux qui ont le talent quand même, qui veulent se lancer. Voilà. Moi je suis là, je peux accompagner tout le monde et puis voilà. Quand tu regardes un peu ton parcours de carrière, qu'est-ce qui te dit qu'il te reste à accomplir? Véritablement, hein, c'est l'international. Je veux aller à la conquête de l'international. Parce que ici, en Côte d'Ivoire, on va dire même en Afrique, quand même, on a fait ce qu'on pouvait faire. Ça fait plus de 17 ou 18 ans quand même de carrière qu'on est là. Tu vois, on a fait quand même des grandes salles ici et tout. Et aujourd'hui, ce que moi je veux, c'est pouvoir m'exporter véritablement à l'international. Pourquoi pas ne pas faire de gros feats avec des artistes de l'international, de grosses collaborations, de grosses scènes là-bas, pour montrer un peu aussi notre culture, pour montrer aux gens ce qu'on sait faire. Parce que quand on écoute ce qu'ils font, c'est très bien, mais on sait qu'on a la capacité de le faire aussi. Oui. Voilà. Et on demande aussi à nos fans de nous pousser. Parce qu'on a besoin de ça. Voilà, c'est grâce à eux que nous sommes là. Et tout ce qu'on fait, on le fait pour eux. Aujourd'hui, on veut quand même envoyer cette musique-là d'ici ailleurs à l'international. Voilà, c'est l'objectif. Alors, nouvelle sortie DJ Mix, ça parle de développer. Oui. Développer. J'ai écouté le titre de Belle Mélodie. Ça commence avec une chorale. Ouais. On a l'impression que tu as été réparti vers l'église. Ah, ben l'église, si tu sors, on sort souvent, hein. Non. Mais on revient après. Non, les gens pensent que c'est un jeu. L'église peut te laisser sortir, partir un peu. Après, arriver devant là-bas, allez, retourne là-bas. Ouais, ouais, et ça commence à une chorale, superbe chorale. Les mélodies, j'écoute. Les gars disent, ah, Mix, mais il fait chorale. Mais lui, c'est un gars de chorale. C'est souvent les gens ne savent pas trop, les années passent. Ouais, c'est, donc les gens n'ont pas vraiment la science infuse de ton passé. Ouais, ouais. Et tu commences une chorale. C'est quoi le déclic? Le Seigneur t'a rappelé ou il y a quoi encore? Non, moi je suis toujours en Dieu. Hein. Oui, non, voilà, je suis toujours en Dieu. Oui. Le truc, c'est quoi? C'est j'ai voulu changer un peu de ce qu'on a l'habitude d'écouter. D'accord. Tu vois, ramener de nouvelles couleurs quand même au coupé décalé. Comme je l'ai dit, moi je m'arrange à véhiculer des messages dans mes chansons. Je ne veux pas juste m'arrêter à venir faire du coupé décalé où on dit, prends que tu saute, saute, tac, 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 tac. Tu vois, il y a pas mal de personnes qui le font, ça marche bien déjà. Bien sûr. Et moi j'essaie de me démarquer parce que je me dis quand même, c'est un mouvement. Il faut que je sois là, moi, qu'est-ce que j'apporte quand même à ce mouvement-là? Touche personnelle. Voilà. Et moi, ma touche personnelle, c'est de pouvoir conscientiser ces jeunes, cette jeunesse-là. À leur dire, par exemple, certes, on s'amuse, on fait tout, mais ne soyez pas là et puis être habitué à la vie facile. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est ça. On voit Mix aujourd'hui, peut-être dans une grosse voiture, on se dit, ah, ça va chez lui, il a l'argent. Mais si Mix vous explique son parcours, je ne me suis pas levé pour me retrouver dans une grosse voiture. Du jour au lendemain. J'ai marché de Port-Boué à Makori pendant combien de temps? Il y a des témoins qui sont là, tu vois. Il y a des personnes qui me connaissent, ils savent mon parcours. C'est pour dire que j'avais même pas le transport même d'abord pour aller à la Cour des Grands. Voilà, Cour des Grands. Mais pour l'amour et ce que je voulais personnellement, je marchais, je partais. Je pouvais m'asseoir à la maison et puis dire, moi, je n'ai pas de transport, je ne vais pas. Je ne vais pas. Mais je marchais. Souvent, tu marches, tu travailles jusqu'à 7h, 8h, il y a pas l'argent, tu n'as rien gagné. Ouais. Tu fais quoi? Matin, là, tu remarches encore. Et voilà. Puis à l'époque, c'est chacun son tour, hein, souvent. C'est ce que avant ton tour, c'est ce que souvent ton tour, mais c'est à 9h, tous les clients sont partis. Peut-être tu as 200 ou 300 poches en marchant, tu payes galette là-bas avec l'eau. Et puis tu marches, je salue Boiseau Michel. Frère, à moi. Michel Boiseau. Avec qui on a marché. Vous avez marché de Makori jusqu'à Port-Boué. Il sait, aujourd'hui, il est en France. Big up à toi. Enjaillement Côte d'Ivoire. Plateau d'or. Ouais, plateau d'or. Voilà, ouais, c'est des gens qui étaient là, qui ont vu cette galère-là. Mais c'est parce que j'ai cru en ce que je voulais. Je ne suis pas multimilliardaire. Mais j'ai cru en ce que je voulais. Aujourd'hui, je suis où je suis. Donc, tout est possible. Il faut juste développer. Développer, c'est de réfléchir. Comme je le dis. Donc l'inspiration est développée vient de là. Oui, Dieu t'a donné un cerveau pour réfléchir et pour développer. Tu veux avoir de l'argent, réfléchis. Tu n'as pas beaucoup, tu as peut-être 10 000 ou 20 000. Qu'est-ce que tu peux faire? Réfléchis avec ces 10 000, 20 000 là. Quelle activité tu peux développer? Il faut entreprendre. Pour ceux qui ne veulent pas entreprendre, il faut vous former. Parce que tu ne peux rien faire sans une formation. Il faut te former, il faut apprendre. Il faut faire ce sacrifice-là, même si c'est 2 ans, 3 ans. Apprendre pour avoir la connaissance, et puis demain, tu pourras réaliser ce que tu veux. Bien donc, sûr. Cette chanson-là, c'est pour dire à ces jeunes-là de réfléchir, de ne pas s'adonner à la facilité et de pouvoir travailler, développer leur esprit
Pour, Dieu nous a déjà tout donné. Dieu ne descend pas pour te donner de l'argent. Bien sûr. Mais il t'a donné un truc qui est là, ça s'appelle le cerveau. Si tu stimules bien ton cerveau, tu vas voir que tu auras des idées. Quand tu vas commencer, ça ne sera pas forcément facile. Tu rencontreras forcément des difficultés. Mais il faut persévérer, puis il faut avoir la foi en ce que tu fais. C'est ça. Ça, c'était la première partie de la chanson. La deuxième partie, c'est pour encourager ces pères de famille, ces mères de famille qui se battent pour subvenir aux besoins de la famille. Parce qu'un père de famille ou une mère de famille, il y a des moments où il n'a même pas 5 francs. Ouais. Où il n'a même pas 5 francs. Toi, en tant que père, souvent, tu n'as même pas 5 francs. Tu es assis toi seul. Tu regardes tes gosses. Ouais. Et puis tu les regardes. Les enfants vont se réveiller le matin. Eux, là, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Ouais. Quand ils viennent là, lui, il veut manger. Manger directement. Il veut s'amuser, puis il veut dormir. Voilà. Donc, tu réfléchis. À la fin du mois, tu dois payer le loyer, tu dois payer l'eau, tu dois payer le courant. Ça arrive à tous les pères de famille. Vous faites comment? Ouais. Vous êtes obligé de développer la nuit pour que le matin, vous puissiez trouver quelque part où aller, trouver quelque chose pour venir subvenir aux besoins de la famille. C'est pourquoi je dis dans la chanson, « Les gens n'imaginent pas ta douleur quand t'es dans la souffrance. Seul dans le noir, livré à toi-même. Oh, heureusement que Dieu t'a donné un cerveau. » Pour réfléchir et pour développer. Et on a fait ça en cœur pour dire que ça concerne tout le monde. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, on a cette jante féminine qui s'adonne mouvement busy. Je pense que tu es mieux placé que moi pour voir un peu à travers tes tournées by night, ces jeunes filles que tu vois s'adonner dans la facilité, de très belles jeunes filles qui peuvent très bien développer, comme tu l'as dit dans ta chanson, à travers leur rendement. On ne va pas juger le mode de vie qu'elles ont. Mmh. Mais je pense que tu peux leur apporter un bon message qui, je l'espère, si tu fais partie des artistes qu'elles admirent, qu'elles prennent comme idoles, pourront prendre ces conseils en application. Ben oui, cette chanson, c'est pour ça. Quand je dis la jeunesse, je parle des femmes. En même temps que tu le dis, il y a des femmes qui s'adonnent à ce genre de trucs-là. Il y a des jeunes aussi qui vont, pour de l'argent, braquer ou voler. Donc, c'est à toutes ces personnes-là, comme je l'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu, je parle de la jeunesse. C'est plus à la jeunesse que je parle. Je leur demande de développer, de réfléchir, de ne pas s'adonner à la vie facile. Tout ce qui est facile, là, il y a des retombées dehors, demain. Donc, si tu es pressé, si tu veux aller au cinquième étage, tu ne peux pas t'envoler un coup et te retrouver au cinquième étage. Si c'est escalier, tu prends l'escalier. Si c'est l'ascenseur, tu prends l'ascenseur. Même si c'est 2 minutes, ça va mettre les 2 minutes là, ce temps-là, pour arriver. Donc, c'est comme ça. Pour pouvoir atteindre un objectif, il faut souffrir. Il faut accepter de souffrir, accepter de faire des sacrifices. Et puis, demain, tu auras une vie meilleure. Voilà. Donc, c'est le message que je passe à ces jeunes filles-là, ces jeunes garçons. Et puis, je donne la force aussi à ces pères de famille, même aux mères célibataires qui se battent, big up à tout le monde. Développons, tant qu'on développe, on s'en sortira. Voilà. Et la chanson est disponible déjà sur toutes les plateformes. Oui, partout, sur toutes les plateformes légales. C'est sorti, le clip est disponible sur YouTube. Vous pouvez aller. Ivoire TV aussi déjà. Télécharger sur Ivoire TV. Merci à Ivoire TV de faire passer le clip. Merci, big up à Ivoire TV. Et puis l'entuage, en ce moment, c'est lui qui est en rotation. Ah, mais tu as vu. Merci Ivoire. C'est ça, il faut donner la force à nos artistes. Alors, Mix, notre émission va bientôt tirer à sa fin. D'accord. Quel est ton mot de fin pour tes fans? Ben déjà, mon mot de fin, d'abord, je vais dire merci d'abord à Ivoire TV, merci au grand frère, merci maman de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment-là avec vous. Et dis à mes fans que j'ai sorti une nouvelle chanson qui s'intitule « Développer ». Écoutez, c'est une chanson qui va prendre légèrement un peu de temps avant de décoller. Je sais comment je l'ai fait. Comment tu travailles? Parce que ce n'est pas une chanson qui va prendre tout d'un coup. Ça va prendre un peu de temps. Parce qu'il faut du temps quand tu l'écoutes pour pouvoir... Tu vas l'écouter une fois, deux fois, trois fois. Au bout de la 4e fois, tu vas commencer à aimer. C'est comme ça. Parce qu'il y a plein de messages qui sont véhiculés. Donc, allez streamer, écouter, partager. Et je suis en train de vous préparer un album de 10 titres qui sortira avant la fin de l'année aussi. Et j'ai des concerts en vue en Europe, à Londres et puis en Côte d'Ivoire. C'est mon actualité. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde, je vous adore. Merci. À l'instant, nous avons reçu DJ Mix Premier, El Pantolo de la Patana Suista. Voilà le champion, parce que c'est un champion, moi je l'apprécie beaucoup, c'est un jeune frère avec qui on a beaucoup collaboré, on travaille toujours sur beaucoup de projets et on continue toujours dans cette lancée. Alors, Yumi, on va dire merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Alors, le clip, bientôt soulevé, déposé, Back Again, Jet Set, on arrive, ça sera disponible en avant-première sur Ivoire TV Music. Restez connectés parce que ce qui arrive, c'est du lourd. On va soulever ça encore, soulever et puis on va reposer là où il faut. C'est pour ça que le concept s'appelle soulever et déposer.
bientôt on arrive avec ça. Il y aura plusieurs artistes, DJ Mixé dans la compile, DJ Jacob, KJ Vara, tout le monde vont participer. On va remettre les choses en ordre et les choses seront bien. Pour le plaisir des mélomanes, bien sûr. Merci à tous ceux qui nous suivent. Yumi. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, bien sûr. Merci à Soko, Santiago, Clovis, Olivier Junior, à toute l'équipe derrière la post-prod. Continuez de visionner en streaming sur notre chaîne YouTube Ivoire TV Musique. Rendez-vous ce week-end et surtout pour le prochain épisode parce que ça risque d'être piquant. C'était le tout bisou de votre Yu.